Alors, j'accueille de suite le collègue, l'ami Pierrot, le chercheur du Pays au Renard, en fait. Pierrot, aujourd'hui, on parle de méthodologie. Ben, c'est intéressant parce que d'abord, j'aime bien ce que tu viens de dire. Puis moi, mon rêve, c'était d'avoir aucun rapport avec les biens matériels, d'avoir aucun bien matériel, de dormir sur un plancher et d'être un chercheur 7 jours par semaine, 15 heures par jour. C'était mon rêve. C'était ou c'est ton rêve? C'est encore et ce sera. C'est ça. C'était, c'est et ce sera. Ça, c'est ton rêve, OK. On Ouais. connaît ton rêve. Mon Et rêve, OK. oui. Dans combien de jours aujourd'hui, tu es déjà là? Ben, alors, quel est ton rêve? Moi, c'est d'être un chercheur pour, à un moment donné, créer une chaire universitaire à McGill, en équipe, avec notre équipe de recherche. OK? Dans combien de jours? Ben, le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour ton rêve? Ben, tous les jours, je fais de quoi pour mon rêve? Ouais, Puis comment mon rêve prend-il soin de la beauté du monde? Ben, je sais qu'on ait une vie en équipe qui soit une vie œuvre d'art, dans le prendre soin du rêve des uns et des autres. Marlene a son jardin, elle se prend soin de la beauté du monde dans son jardin. Hein? Toi, tu fais du cinéma, en même temps, tu communiques. Là, on va peut-être avoir des nouvelles de notre film. Puis moi, ben, tous les matins, j'ai l'honneur d'aller dans le grand silence d'une bibliothèque faire de la recherche et d'aborder la méthodologie d'un autodidacte. Et mon inspiration, c'est Abraham Lincoln, le Ouais, président des États-Unis. tu nous en as parlé, l'autodidacte, hein? Abraham Lincoln devrait Il s'est être. instruit lui-même, c'est ça Ben, que tu plus dis? que ça, il a quitté son père il y avait 12 ans. Parce qu'il était maltraité à la maison. Là, je dis ça vaguement. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'était même pas instruit. Il ne savait pas lire. Il ne savait rien. Et il a pris la décision. Il a pris la décision de s'instruire par lui-même. Ah oui, vois-tu. Et Puis il à a un appris point le tel qu'il a droit. tout appris son droit. Dans un des livres. Il a appris à lire. Il a appris à écrire. Il a appris le droit dans un livre. Et son rêve, c'était de devenir président des États-Unis. Et il l'est devenu. Et quand son fils a voulu aller à l'université pour étudier le droit de devenir avocat, il dit, je comprends pas. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même en autodidacte? Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Tu vas avoir beaucoup plus de Et plaisir. sa grande réalisation à Abraham Lincoln? Ah, c'est d'abord sa grande réalisation, Abraham Lincoln, je dirais que c'est peut-être le président des États-Unis le plus. Quand tu viens d'une pauvreté avec un rêve d'une si grande brillance et que tu veux être au service de ton pays, ben, sa plus grande réalisation, c'est d'inspirer encore aujourd'hui les Américains. Ah oui. D'inspirer encore aujourd'hui les Américains. On ne peut pas ne pas être inspiré par un homme d'une telle dimension. Et méthodologie, tu parlais de Lincoln, Ah ben pourquoi? voilà, c'est Parce ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand moi je décide de ne pas m'inscrire à l'université, d'être un vagabond de la connaissance. Donc, comme Lincoln, je fais tout par moi-même, sans professeur, sans suivre de cours. Alors, Ok, je vois ton chemin. tu vois mon chemin? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je m'achète des guenilles royales. OK? J'ai commencé à l'Université de Montréal, j'ai fait 2 ans. L'infiltration céleste. L'infiltration. Céleste. Hein? Et là, j'ai été 2 ans à travailler en sociologie et en phénoménologie. OK? Tout seul. OK? Après ça, je suis allé à l'Université du Québec en histoire de l'art. 2 ans. Après ça, je suis allé à Concordia, après ça, en histoire de la politique américaine. J'ai tout lu la vie des présidents américains. Ouais, toute la série, hein, je me Toute la rappelle que tu série. as fait ça. Après ça, moi, je suis rendu à McGill maintenant. Et là, je suis en train de ce qu'on appelle méthodologiquement. Si tu veux, de développer la contextualisation du pays œuvre d'art, de la vie personnelle œuvre d'art et de la nanodémocratie, avec un objectif clair, c'est de créer la chaire Frank Scott à l'Université de McGill, consacrée, qui va avoir des chercheurs avec une fondation, okay? Et d'arriver en équipe. C'est pas juste d'aller chercher un doctorat pour moi, que notre équipe un doctorat honorifique et qu'on se ramasse avec le prix Nobel. Parce que c'est mon objectif, c'est que ce que l'on crée en équipe soit tellement pertinent, un peu comme Montesquieu,
quand Montesquieu crée la séparation des pouvoirs, nous, lorsqu'on crée la nanodémocratie planétaire, dans laquelle le citoyen de toute ville, de tout village à travers la planète puisse avoir une conscience. Plusieurs belles formules, hein, cette idée des votes multiples. Ah, tout à fait. Alors, pour. Et tu vois, j'ai 67 ans, mes partenaires, on est heureux ensemble. Tous les matins, tu me réveilles, puis à 6h30, on fait le bilan de mes recherches de la journée et ensemble, on actualise et les l'argumentaire et les étiquettes et les attributs essentiels et on travaille à préciser les méthodologies. Donc, je suis rendu aux lectures fondamentales, lectures thématiques des 40 mots-clés principaux. Puis, je calcule d'à peu près un an et demi maximum d'être capable de déposer le doctorat au nom de l'équipe. Tu vois? Mais c'est Abraham Lincoln, mon rêve, c'est un autodidactisme impeccable. Ouais, puis, et de dépasser les critères universitaires. Ouais. Que mes outils méthodologiques soient de très haut niveau international, de dépasser les critères que l'on demande aux universités. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est mon objectif. D'offrir d'abord une contribution hein, à la société. Ah oui, tout à fait. C'était la grande idée au départ de développer quelque chose pour servir la société.